Florian et Philou, 6h-10h sur Ado. Premier réveil hip-hop R&B. Mon gros, tu as forcément dans la vie un ennemi, au moins un ennemi. Oui, oui, quelqu'un que j'aime pas trop. Est-ce que tu aimerais lui faire un cadeau dont il se souviendrait? Oui. Bah, nous avons la solution. Grâce à ce mec que nous avons au téléphone ce matin, il s'appelle Cyril. Salut Cyril. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, je suis content d'être là. Ah bah écoute, on est très content aussi, surtout que bah il se trouve tu peux nous être utile parce qu'il y a des gens qu'on aime pas. Ah bah, voilà. Alors, ah, j'imagine bien. Cyril, explique aux auditeurs en deux mots le concept de ton site et ce que tu leur proposes. C'est-à-dire que il y a plusieurs offres, on te paye et toi en échange t'envoies quelque chose à quelqu'un à qui on te demande d'envoyer chose. Alors le concept est très simple en fait. On propose aux utilisateurs d'envoyer une véritable merde emballée par nos soins dans un papier cadeau. À la personne de leur choix. Un caca. Ah d'accord. Un véritable, authentique. Mais dans un sac classique. Dans un. Enfin, c'est sûr, il est. La boîte est hermétique. Ah oui, à la poste, ça risque pas de s'évaporer. Ah oui, non, bien sûr. Hein. On veut pas que ça se sache, quoi. Bah oui. Mais vous avez beaucoup de matières premières. Où est-ce que vous trouvez la matière première? C'est le petit secret là. Alors en fait, on a un contact en fait dans un zoo. On va dire une matière infinie, et qu'il peut nous fournir à volonté. Il les ramasse et c'est un truc de malade. Alors, il y a plusieurs offres sur le site. Alors, il y a le pack gros con réservé aux hommes remarquables. Il y a le pack sale pute. Oh non. Et il y a le pack basique qui est à 9,90€. En fait, ce qui change, c'est quoi? C'est la boîte? Ouais, c'est l'emballage. Voilà. Les packs sale pute et gros con sont beaucoup plus jolis. Donc, plaisir, on va dire. Il y a un plus gros décalage. Pour 12,90€, on a un plus joli pack que pour celui à 9,90€. Ah oui, non, là, c'est vraiment le joli. Par exemple, pour le sale pute, c'est rose avec la carte postale rose à l'intérieur. C'est vraiment. On peut envoyer ça à une ex, par exemple. bien sûr. Mais c'est un truc de malade, cette idée. Mais il y a beaucoup de demandes. Alors, on a lancé ça il y a 2 semaines. On n'a pas vraiment fait beaucoup de pubs, mais on est vraiment surpris par la demande là, parce que ça commence vraiment à arriver, sachant qu'on a lancé ça que sur Facebook pour l'instant. D'accord. On n'a pas fait de pub, mais bon, on est surpris, il commence à y avoir de la demande là. C'est n'importe quoi, mais ça me fait beaucoup rire. J'imagine la tête de la personne qui se reçoit ça et qui doit juste pas comprendre, surtout que en général c'est les gens veulent que ce soit envoyé de façon anonyme. Il y a les deux, on va dire, mais plus il y a un peu les deux, parce que là ils veulent se faire savoir en fait. Ils veulent dire de la part de machin. Voilà. Cordialement. Ils pensent à un pote, donc ils veulent que ça soit signé, on va dire. C'est un truc de malade. Bah, ton site s'appelle cadeaudemerde.com, hein, comme ça se prononce. On va mettre le lien sur notre blog et sur notre Facebook à nous. On te souhaite bonne chance dans ce business. Oui, vraiment, bravo. C'est une bonne idée. Hein. Tu sais, Facebook, ils se sont retrouvés cotés en bourse. Ils font plus que Google. Avec une idée con, ça se trouve, tu vas faire plus encore. On va gagner du pognon avec de la merde. Hein. Mais bien sûr. On aura juste passé s'essuyer avec les billets. En tout cas, on te remercie, Cyril. Et puis, bonne chance à toi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Salut. 6h-10h, c'est le morning de Florian et Philou.